Yo, salut tout le monde. On se retrouve sur une petite vidéo tuto sur le glitch de GTA V Online quand on duplique un véhicule, vu qu'il y a beaucoup de demandes de duplication de véhicules ces temps-ci depuis avant-hier. Alors on vous propose un petit tuto comment le réaliser méga méga simple. Alors en tout cas, bienvenue à tous. N'hésitez pas à liker, à partager et à s'abonner si c'est pas déjà fait. Ce soir, je suis en compagnie de Savitar Légende et Nitox Légende qui vont m'aider à réaliser ce tuto. Merci à vous les gars. Alors, pour réaliser ce tuto, rien de plus simple, il faut être trois dans une session privée. Si c'est privé, c'est mieux. En public, évitez, moi je serai vous. Alors voilà, trois dans une session, vous appelez tous les trois votre camion centre d'opération mobile. Dans votre centre d'opération mobile, il vous faut quoi? Il vous faut en module 1, vous mettez ce que vous voulez. Module 2, vous mettez rien du tout. Module 3, vous mettez, comment il s'appelle déjà? Dépôt de véhicule. Une fois que vous avez ceci, vous venez tous les trois au casino. Dès que vous êtes au casino, vous appelez tous les trois vos centres d'opération mobile, etc. Alors, il y en a celui qui veut donner son véhicule. En gros, pour l'instant, il fait rien. Le troisième joueur se met Securiserve, il s'inscrit en tant que PDG et il lance une mission gros bonnet. Alors, je dirai après. Dès que ceci c'est fait, vous mettez votre véhicule, vous prenez un véhicule sur le parking du casino, vous le mettez dans votre centre d'opération mobile, comme je fais là actuellement. Le camion. Le véhicule va vous appartenir, en gros, ça sera le vôtre. Alors voilà, je rentre dans mon camion. Hop, triangle, je ressors avec, c'est mon véhicule. Là, le troisième joueur qui est PDG, qui a lancé une mission, gros bonnet, au pas hostile, en gros, il faut qu'il lance une mission, peu importe laquelle, ça fonctionne avec toutes. Il monte dans le véhicule avec vous. Hop, marche arrière, voilà. Hop, vous rentrez de retour dans votre camion, flèche de droite, vous frisez. Non, attends, je crois que ça a raté. Flèche de droite. Ah ouais, si c'est bon, ouais. Ouais, mais je préfère, voilà. Une fois ceci fait, il a frisé, il descend du véhicule tout seul normalement. Et hop, il remonte. Aussi simple que ça. Maintenant, vous venez au parking du casino. Et là, le glitch consiste à, dès que vous rentrez dans le parking du casino, un des deux joueurs, ou des trois, met un compteur quand vous rentrez dans le parking. C'est-à-dire que là, moi, j'appuie sur parking, je lance un compte à rebours, et j'attends 45 secondes. C'est-à-dire que pendant 45 secondes, vous n'hésitez pas à partager, à s'abonner si ce n'est pas déjà fait. Et à liker aussi la vidéo, ça fait vachement plaisir. Et pendant ce temps, 45 secondes, vous avez le temps de faire tout ça. Cloche, s'abonner, liker, partager. Voilà. Alors maintenant, vous patientez les 45 secondes. Là, nous sommes à 30 secondes. À 45 secondes, vous pouvez dire à votre ami qui est dans le véhicule d'appuyer sur triangle, de descendre de véhicule. Là, on est bientôt. Voilà, 46, c'est bon. Tu peux descendre, Nitox. Votre ami descend du véhicule. Hop, ça vous fait rentrer dans le garage, dans le parking plutôt du casino. C'est-à-dire que là, vous allez avoir un écran de chargement avec un logo en bas à droite, un écran noir. Vous appuyez sur le bouton PS. Vous allez dans une communauté ou un ami. Allez, hop, communauté. Et là, la technique consiste à vous rejoignez cet ami, la communauté plutôt, autant pour moi. Vous faites jeu en cours et ça fonctionne avec n'importe quelle communauté, hein. Et là, vous voyez, il y a plein de joueurs où ça nous dit rejoindre la session. Justement, il faut trouver un joueur, comme vous allez voir. Là, je clique sur rejoindre la partie. Vous attendez. J'ai ce message, rejoins une nouvelle session, GTA Online.
si le message ne vous intéresse pas. Là, vous faites double PS, 1, 2, et vous rejoignez encore de retour la même personne que vous venez de rejoindre avant. Hein. X, voilà, ben là, vous voyez, du premier coup, l'activité, le passe-temps, j'ai pas le même mode de visée que lui. Voulez-vous accepter X, non, rond. Vous faites rond, aussi simple que ça. Là, vous allez avoir cette image qui va s'afficher, ou des moments noirs, mais ça va clignoter. En gros, vous allez avoir un écran buggé. Vous faites option en ligne. Une fois ceci fait, vous allez dans pack d'entrée dans le monde du criminel. Vous entrez dedans, vous faites rond, rond, rond. Là, vous voyez que vous êtes assis. En gros, vous êtes assis dans le véhicule. Vous faites triangle, ou vous mourrez. Comme là, bah là, j'ai pas le temps d'appuyer sur triangle. J'ai mouru, j'ai pas été assez rapide. Ça fonctionne également. Là, vous repopez. Une fois avoir repopé, vous revenez. Hop. Là, vous montez dans le véhicule que justement que votre ami veut vous dupliquer ou un autre joueur. Moi, justement, là, c'est la moto de tronc bleu. Là, le troisième joueur, justement, il rentre dans son centre d'opération mobile. C'est là qu'il a, il nous sert à quelque chose, le troisième joueur, entre guillemets. Sa classe Avitar, il est dans son camion. Il va nous inviter dans son centre d'opération mobile. Vas-y, Savitar, tu peux nous m'inviter. Voilà. Là, il vient de m'inviter. Je le rejoins dans son centre. Et lui, il reste dans son centre, il ne bouge pas. Je le rejoins. Et là, vous allez avoir de retour un écran noir avec l'écran de chargement. Lorsque vous faites, vous refaites double PS. Et justement, ça vous remet là où vous avez rejoint les amis tout à l'heure. Vous essayez de rejoindre la même personne que tout à l'heure. En gros, qui consiste à avoir encore le même message que tout à l'heure, que la, au début de la vidéo, qui vous dit, vous n'avez pas le même mode de visée que lui. Double PS, rejoindre session. Voilà, là, ça a marché tout de suite. Je fais rond. Vous voyez que là, je suis totalement buggé. Je peux pas bouger, je peux pas avancer, je peux rien faire. L'ami en question reste toujours dans son camion. Vous, ce qui vous reste à faire, c'est de patienter une minute. C'est-à-dire que là, pendant cette minute, si vous avez oublié de liker en début de, du tuto, ben, vous pouvez liker maintenant, partager aussi, s'abonner aussi, ça fait toujours plaisir. Alors là, vous patientez une minute, des moments, ça peut être une minute trente, hein, ne vous inquiétez pas si c'est un peu long, ça dépend des moments que c'est même 30 secondes, j'ai eu vu. Allez, on se dépêche, voilà. Hop, j'ai un écran noir. Ça close, c'est bon. L'ami en question qui est dans son centre d'opération mobile, il peut sortir. Vous, vous n'avez plus rien à faire. Vous montez sur votre moto. Vous sortez avec. Et voilà, la moto, elle est à vous. Vous l'emmenez dans votre garage pour la sauvegarder. Regardez. Moi, j'ai ma moto. La moto du collègue, elle est juste à côté. Regardez, je peux vous le montrer. La mienne, la sienne. La mienne, la sienne. Alors en tout cas, ben, j'espère que cette petite vidéo tuto vous aura plu. Si c'est le cas, n'oubliez pas de liker et encore une fois de s'abonner, de partager, etc., etc. Sur ce, je vous dis merci à tous et je vous dis bye et à la prochaine. Tchuss!